Hop, juste avant que la vidéo commence, je tenais vraiment à te dire que des chiffres vont être divulgués dans cette vidéo. Je vais vous dire sincèrement combien vous pouvez gagner à l'âge des 14 ans, tout simplement, en travaillant un petit peu. Je vous donne toutes les astuces dans cette vidéo, il n'y a rien qui est fake, vous pouvez aller tout voir sur internet. Bref, c'était Léo, bonne vidéo, on se dit qu'à, allez quoi, 750 likes, je vous fais une deuxième partie où je vous fais moi, justement, ce que je fais comme travail durant ce confinement. Oh là 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 là, regardez toute la thune que je me suis faite grâce au confinement, des billets de 5 ans, des billets de 20, max de billets quoi. On dirait pas trop les vidéos des mecs. Regarde cette pub et tu gagneras 10 000 euros à la fin de celle-ci. Bref, yo tout le monde, c'est le vrai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une vidéo assez spéciale, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Aujourd'hui ça va parler de moulaga, d'oseille, de fric. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'argent. Mais plus particulièrement de comment se faire de l'argent en cette période de pandémie qui touche toute la France entière et qui sera levée, entre guillemets, 11, donc lundi. On est le 9, le déconfinement c'est le 11. Allez-y mollo, faites attention à vous, portez bien le masque, toujours consigne de sécurité, geste barrière et tout. Mais ça veut pas dire qu'on est sorti de la pandémie, justement. Logique. Et pour moi, j'ai vu là un moyen de se faire de l'argent parce que faut se dire que pour ceux qui sont dans mon cas, techniquement, on est en vacances, techniquement, on est chez nous pendant 5 mois et demi. Ça fait bientôt 3 mois qu'on est à la maison et c'est vraiment une opportunité de dingue pour faire de l'argent de poche. Et là, vous allez me dire, mais Léo, donne-nous la clé, la réussite. Comment faire un petit peu d'argent? Parce que vas-y, on va pas se mentir, tu fais rentrer un petit peu d'argent, t'es content, c'est bientôt l'été, t'auras quelques billets pour aller pécho cet été en mode « Hey, je te paye la glace, toi là-bas, viens là !» Qui dira comme ça avec Sinsane? Bref, t'auras un petit peu d'argent de côté, tu pourras te faire plaisir, tu pourras acheter un petit truc pour l'été ou je ne sais quoi, bref, tu fais ce que tu veux, ton argent, ça me regarde pas. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas bien sûr le petit pouce bleu si vous aimez ce genre de petites vidéos où je vous partage, on va dire, des tips pour faire un petit peu d'argent en étant mineur, bien sûr. Cette technique s'adapte aussi aux ceux qui ont plus de 18 ans. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, on est bientôt 30 000 abonnés, ça me fait super plaisir, je vous remercie tous et toutes. Bientôt 3 000, 4 000, 5 000 sur Instagram, bref, je poste des photos de BG de malade avec mes abdos de fou. T'as capté les bails sur mon Instagram, viens me rejoindre. Ma chaîne de live, ma chaîne de gaming en description, vous l'avez compris. Utip si tu veux regarder une petite pub totalement gratuite et ça me remet un petit peu de centimes, ça fait super plaisir. On perd pas de temps, on commence la vidéo. Et dites-moi si vous, vous gagnez de l'argent en étant mineur et comment vous faites, parce que ça peut aider des gens en fait. Bref, allez, on perd pas de temps, début de la vidéo, c'est parti. Donc voilà, on est en période de confinement, donc on est logiquement obligé de rester à la maison. Ok, donc des enfants dans une maison, ça fait que des parents doivent rester s'occuper d'eux. Et c'est là que nous, justement, les gens qui ont un minimum de jugeote et qui peuvent les capacités de le faire, on peut se faire de l'argent. Et comment? Je vais pas te dire de lancer un business rentable avec des influenceurs en dropshipping, mec, t'as rien compris. Rien de ça. Là, tu vas devoir travailler, tu vas devoir te faire mal. Là, tu vas travailler et gagner de l'argent, mais tu vas travailler vraiment. Tu vas travailler, tu vas mettre la main à la pâte. Non, je vais pas te dire d'aller en boulangerie, non. Donc, ce que tu peux faire, déjà, on va aller crescendo, la meilleure astuce, je vous la laisse pour la fin, les plus de 10 minutes, et moi, ça me fait rentrer un petit billet dans la poche. T'as compris? Bah, on est là pour l'argent, les mecs. Non, je rigole. Bref, première technique, qu'est-ce que tu peux faire? Vous avez vu des milliers de personnes qui ont percé sur les réseaux pendant le confinement. Mais c'est juste insane. Tu vas sur TikTok, combien je vois de mamans qui ont plus de 1 million d'abonnés juste avec le confinement, frère. La daronne, elle est là. Hop, lundi matin, avec ma fille, on commence le cours à distance, boum, petite danse TikTok, à boum, boum, boum. Et la fille, elle a avec sa mère un compte d'un plus de 1 million, je vais pas visiter personne, vous savez certainement de qui je parle. Mais bref, donc, ceux qui ont lancé des TikTok, bien joué à vous, parce que les gens passaient littéralement tout leur temps sur TikTok, donc vous avez, c'était le moment pour percer. Moi, j'en ai fait quelques-uns, je vais pas te mentir, si ça faisait des vues, je vais continuer, ça a pas trop fait de vues, d'ailleurs, tu peux aller voir, ça fait plaisir, j'ai fait des petits TikTok. Mais bon, ça prend quand même pas mal de temps, c'est quand même un petit peu de taf. Bref, il y en a qui ont fait des très belles choses et qui méritent amplement leurs abonnés. Donc après, ils vont pouvoir tout simplement faire de l'argent avec leur audience. Il faut savoir que sur TikTok, le système de rémunération est très simple. Tu as plus de 1000 abonnés, tu as plus d'un certain âge. Je vais pas dire 18 ans parce qu'on est là pour une vidéo pour les mineurs. Mais je pense qu'il faut quand même avoir minimum 13, 14, 15 ans. Bref, je sais pas, je me suis pas renseigné sur le sujet à ce niveau-là. Mais en faisant des lives, tout simplement, les gens vont pouvoir te donner des petits cadeaux. Donc c'est la monnaie d'échange de TikTok. Donc c'est de l'argent transformé en jetons. Les gens vont te donner des jetons et à chaque live, tu gagneras un petit peu de jetons si t'as de la chance d'avoir des personnes qui veulent te donner un peu d'argent sur ton live. Voilà. Donc ça, c'est une technique que beaucoup ont utilisée. Je vais pas viser de personne, mais un mec que vous le connaissez, wesh la famille, regardez mon PayPal, regardez,
Hier, j'étais à 500 euros. Cette nuit, je suis à 700 euros. Elle est pub à 20 euros. Elle, c'est la team. Bip. Vous avez direct reconnu pour ceux qui passent leur temps sur TikTok. Il y en a qui ont monétisé leur audience comme ça. Donc, en faisant des placements de produits via leur TikTok. Et ils étaient payés par PayPal des 20, des 40, des 100 euros. Bref, c'est un peu une technique un peu morte. Parce que le confinement, c'est bientôt fini. Mais il reste toujours des gens à la maison. Et surtout, je pense souvent aux enfants. Les enfants, ils vont pas reprendre l'école directe. Donc, vous avez encore le temps de lancer ce genre de petit business, tout simplement. Après, voilà. À vous d'essayer, c'est pas sûr que ça marche. C'est pas une technique 100% garantie. C'est pour ça que je l'ai classé en première position. On va passer à une deuxième technique qui marche de fou pendant ce confinement. C'est tout simplement la vente. Parce qu'il faut savoir que du coup, les magasins physiques, ça existe plus. Ça existe plus. Pour l'instant, parce qu'à partir du 11 ça va reprendre. Mais par exemple, durant ce confinement, tu peux aller vendre des petits trucs, parce que les gens justement ont besoin. J'ai vu que les ventes de Nintendo Switch avec le confinement ont pris une courbe de vente de malade. J'ai jamais vu ça. Les Switch se sont vendus par centaines de milliers de paquets. Tu allais dans les magasins pour demander une Switch, le mec te disait il n'y en avait plus. Donc là, tu mets ta petite Switch sur le bon coin, tu vas la vendre cash, tu vas faire une rentrée d'argent direct. Tu vas vendre, je sais pas, un iPad, un jeu de cartes, un jeu de société, des habits. Bon, peut-être pas des habits en période de confinement, mais bref, des petits trucs simples qui vont permettre aux gens de s'occuper et les gens vont te l'acheter cash parce que c'est le confinement, ils savent pas quoi faire, ils ont besoin de ça. Je pense cet été aux piscines, c'est un vrai bon plan parce que les gens, on va pas partir en vacances, ils vont vouloir faire les vacances à la maison. C'est plus l'école à la maison, c'est les vacances à la maison. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir des piscines, des jacuzzi. Donc si jamais vous savez pas quoi faire de votre piscine, de votre jacuzzi, vous en avez marre, vous en avez racheté un deuxième, vous en avez un ancien, mettez-le sur des plateformes de vente comme Le Bon Coin, Vinted. Bon, on va pas commencer à vendre un jacuzzi sur Vinted. Je te dis pas que ça va partir, tu vois. Mais essayez de vendre parce que tout simplement, j'en mets un bras à couper qu'avec cette situation de pandémie, les gens vont acheter en masse les objets nautiques pour les jardins, des transats, des parasols, des tables, des chaises, des piscines, des jacuzzi, tout ce genre de petits trucs, car tout simplement, on va dire que ça va être les vacances à la maison, quoi. Bref, on en vient, je pense, à la meilleure des techniques de tout cela, que moi-même, je vais mettre en place. Je suis en train de mettre en place. Je vais vous en faire des vidéos, donc ça va être une évolution de ça. Il y aura peut-être une ou deux vidéos, un petit vlog, un petit résultat de ce que je vais faire. Je vais tout simplement vous parler, vraiment, toutes les personnes qui sont pas motivées, qui n'ont pas le muscle physique et le muscle mental pour faire un petit peu d'argent, vous pouvez directement quitter cette vidéo, mais pour ceux qui veulent, il y a vraiment de l'argent à se faire. Ça va tout simplement être d'être plutôt saisonnier. Et là, tu vas te dire, mais Léo, arrête-moi ça, saisonnier, tu peux pas. Saisonnier, tu peux à partir de l'âge de 14 ans. C'est sûr que c'est méga compliqué, mais bon. Tu peux avec de la détermination. Pourquoi justement saisonnier est un très bon plan à argent en période de confinement? C'est que tout simplement, les parents qui faisaient les saisonniers ont des enfants à garder à la maison, peuvent pas faire les saisonniers. Donc il faut de la main d'œuvre. Ils l'ont dit, TF1, France 2, je ne sais quelle chaîne, ont dit on a besoin de personnel. C'est nous le personnel. C'est nous les 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ans. Ok, c'est nous. C'est comme les livreurs Uber Eats, ceux qui ont l'âge de le faire. Je vous promets que je serai dans une ville où il y a Uber Eats, où je pourrai le faire parce que c'est 18 ans. Par contre, j'irai prendre ma petite 50 cm cube, je te ferai tout le tour de la ville. Je ferai des tournées de 8h à 20h non-stop. Et je sais que ça paye. Donc voilà. Donc pour ceux qui disent que c'est impossible, allez faire les Uber Eats, ok? Pour ceux qui n'ont pas 18 ans, restez ici parce que la technique des saisonniers marche et je vais vous donner simplement les prix de combien vous pouvez être rémunéré en fonction de votre temps de travail. Donc c'est simple. Tu as entre 14, 18 ou plus. Tu peux travailler pour une personne et être payé à l'heure. C'est tout simple. J'ai juste à côté de moi... Ok, donc j'ai juste à côté de moi le temps en heure, en une heure, ce qu'un salarié de 16, de 17 et de 18 ans peut ou doit toucher au minimum. Donc, on va commencer par les 16 ans, ce qui est dans mon cas. Si moi, je veux aller faire les vendanges, car moi, je veux aller récolter les patates, je veux aller récolter les carottes, je veux aller faire les petites grappes de raisin. D'ailleurs, si toi, ta mère, elle a besoin de main-d'œuvre pour aller faire son champ, vas-y, ramène-la. Bon, pas ici, mais tu lui dis de me contacter, moi, je suis là, biceps et tout, viens, je vais ramasser des carottes. Bref, 8,02€ de l'heure, ok? T'es un peu mathématicien, tu fais un calcul, on va le faire maintenant. Bon, j'avoue, j'aurais peut-être dû le faire sur une feuille, mais m'en voulez pas. C'est le direct live, 8,02 fois, et là tu vas te dire, mais Léo, ok,
combien de temps on peut se faire mastune en vrai. Si on est payé 8 euros de l'heure, si je travaille 24 heures, je vais me faire mastune. Il faut savoir qu'il faut avoir 14 heures consécutives de repos. Donc tu peux travailler 7 heures par jour. Pour les personnes qui ont bien sûr 16 ans. Donc calcul simple, 8,02 x 7, 56,14 euros la journée. Ok ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? Ok, fois... Allez, tu vas pas aller travailler 7 jours. Allez, 3-4 jours, on va mettre 4 jours. Fois 4. 224 euros la semaine. Ok. Tu le fais pendant un mois. Ok, donc 224 fois 4. 896 euros pour un mois de travail. Ok, je te dis pas, ça va pas être le travail le plus simple. Mais tu vas avoir quelque chose, tu vas savoir pourquoi tu travailles. Tu dis, ok, je ramasse mes patates pendant une heure, je serai payé 8 euros. Je travaille aujourd'hui pendant 2 heures, je serai payé 16 euros. Tu vois un peu le délire, ce que je veux dire ? Donc par exemple, admettons, on est en confinement, on ne va pas reprendre l'école. Alors avant certes, attends, on ne va pas reprendre l'école avant septembre pour certains. Par exemple, je sais que dans mon cas, il y a très peu de chances que je retourne à l'école avant septembre. Même s'il y a toujours ça de karma qui va m'arriver, il va m'envoyer au lycée. Mais par exemple, dans mon cas, si je veux commencer un contrat en CDD, donc déterminé en saisonnier par exemple, sur 2 mois, si je travaille 5 jours à 8 euros l'heure, 7 heures par jour, donc 10 heures, 17 heures par exemple, donc ça fait 8,02 euros par jour, je travaille du lundi au vendredi, 5 jours, fois 5, ok, donc 8,02 fois 5, je sais plus compter, 8,02 fois 7, donc 56 euros par journée, fois 5, 280 euros la semaine, fois 4, 1122 euros. Bon, ça, pareil, ça va être du brut. Tu vas devoir déduire quelques petits impôts, je sais même pas si c'est imposable. Mais bref, en net, tu vas toucher peut-être, je vous le dirai quand je vais le faire, mais tu vas peut-être toucher 1000 euros, 800, 900 euros, ok ? Pour un mois de travail, de lundi à vendredi, 7 heures par jour, 10 heures, 17 heures, ok ? C'est au lieu d'aller en cours, tu vas faire tes patates. Tu peux pas aller en cours, va récolter tes patates. Je te dis pas, c'est pas un travail simple. Je sais qu'en période estivale, fin d'été, il va faire super chaud, je vais mourir. Je dis je vais mourir parce que moi je veux le faire, j'ai la détermination pour le faire et pour vous prouver qu'on peut le faire. Donc moi je suis actuellement à la recherche de comment trouver un petit contrat saisonnier. Je vais sur Facebook, je vais sur des groupes, je poste des petites annonces, tu vois. Et si j'arrive à être pris, je croise les doigts, je vous ferai bien sûr mon résultat de combien j'ai gagné. Je pourrais rester ici, je me plains pas. Je fais mes petites vidéos, mes petits lives, je ferai un bon petit billet. Mais j'ai envie de vous montrer que vous, vous pouvez le faire chez vous. Donc 1122 euros en un mois. Donc... fois 2, tu travailles 2 mois, 2240 euros. Tu travailles jusqu'à septembre. Bon, je vais pas aller te dire d'aller travailler jusqu'à septembre. Prends un petit peu de vacances, tu travailles un mois, tu fais 1000 euros. 1000 euros de côté. Eh, c'est prenable de fou. Bref, pour ceux qui ont 17 ans, c'est 9,03 euros. Pour ceux qui ont 18 ans et plus, c'est 10,03 euros de l'heure. Et à mon avis, vous pouvez toucher un petit peu plus. Donc par exemple, pour ceux qui ont plus de 18 ans, j'ai les chiffres juste à côté de moi, vous pouvez toucher 1521 euros brut par mois. C'est pas du net. En net, vous allez toucher un petit peu moins, ce qui est logique. Bref, faut savoir que maintenant, je compte vraiment sur vous pour vous bouger le cul. Pour ceux qui ont envie de le faire, donnez-vous à fond. Allez me contacter sur mon petit Instagram, vous m'envoyez des petits messages si vous avez des petites questions de comment faire. Si vous avez entre 14 et 16 ans, n'hésitez pas à le faire. Bon après, c'est super compliqué, je vais pas vous mentir, c'est super compliqué. T'es là, t'as 14 ans, t'as le même corps que j'avais quand j'avais 14 ans, petit ficello comme ça. Le mec il va te dire gros c'est un travail physique et ramasser des patates tu vas jamais tenir tu vois. Peut-être que même moi il va pas me prendre, mais y a pas que ramasser des patates. Tu peux, je sais pas, être caissier en saisonnier, je sais que c'est possible. Tu peux aller dans les stocks de Carrefour, de Auchan, trier, faire des petits trucs. Bref, renseignez-vous les mecs. Il n'y a que la détermination et le travail qui paye. Donc tout est possible et vous pouvez le faire. Et pourquoi ne pas le faire au lieu de rester à la maison? Faites comme des journées de cours. Vous allez travailler 7 heures, 5 heures, 6 heures par jour. Ou même que le matin, il fait frais le matin. Vous dites, ouais boss, est-ce qu'aujourd'hui, demain je peux arriver à 7 heures, je peux repartir à 13 heures. Tu vois, tu travailles quelques heures par jour, tu te feras quelques euros, tu vois. Ça fait toujours plaisir, on va pas cracher sur l'argent. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui l'ont déjà fait des travaillants saisonniers ou pour ceux qui ont déjà travaillé avant d'être majeur, à le mettre dans les commentaires parce que ça va aider moult et moult personnes. Dites combien vous avez été payé, donnez les chiffres, si vous n'avez pas envie de les donnez pas, mais au moins pour que ça donne un ordre d'idée aux autres personnes qui souhaitent le faire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez sur Google, vous vous renseignez, vous trouvez des petits trucs et voilà, tout est possible pendant le confinement. Autant faire des journées de 10 à 17 heures à aller récolter des patates, à faire son petit billet bien proprement que de rester à la maison regarder des petites séries Netflix. Après, je te mens pas.
Tu travailles du lundi au mercredi, jeudi, vendredi, petite journée de pause. Samedi, dimanche, tu vas aller travailler. Enfin, tu vois, tu te fais un petit planning comme tu veux. Après, je sais pas, faut t'arranger avec le mec qui va t'embaucher, mais le mec, il veut juste de la manœuvre. Il veut que tu travailles pour lui, il va te donner une petite part, et puis voilà, carré. Y a pas à chipoter pendant 3 ans. Le mec, il va te dire, tu me ramasses mes 2 lignes de patates, te donne 50 balles, tu vois. Voilà, c'est tout, y a pas à se casser la tête, les mecs. Ils ont de la demande. Nous, on est l'offre. Il y a beaucoup de demandes, très peu d'offres. Donc voilà, donc on sera forcément bien payé. Voilà. Après, il faut trouver, il faut avoir les contacts. Faut vraiment, il va falloir prendre du temps. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé en cette période de confinement. Bref, portez-vous bien. Et si jamais vous voulez recevoir votre argent sur votre carte bancaire, si vous voulez une carte bancaire et justement pas avoir du liquide, dans la description, il y a un petit lien. C'est une carte d'une néobanque. Voilà, vous rentrez mon petit code, c'est un code affilié, je vous mens pas. Ça vous donne de l'argent, ça me donne un petit peu d'argent. Tout est dans la description, c'est une carte. Si t'es mineur, tu peux l'avoir. Juste l'accord de tes parents. Et puis voilà, au moins tu mets tes petites thunes dessus. Voilà, ou soit tu seras payé en liquide. Bref, ça à voir. Je me lis pas à tout ça. Bref, portez-vous bien, travaillez bien, faites attention à vous. C'était Léo, à la semaine prochaine. Et je vous attends nombreux en commentaire. Allez, on dit quoi, 750 likes, je vous fais une deuxième partie. Et je vous montre mes recherches pour devenir saisonnier. Bref, je m'en vais récolter les patates. C'était Léo, à la semaine prochaine. Ciao.